J'ai l'habitude de dire aux Africains, si vous voyez que les Canadiens disent venez travailler avec vos diplômes, faites que ce soit à l'Afrique, amen. Mais en même temps, ils veulent nous racheter les bras valides, nous amener tous nos intellectuels de l'autre côté. Mais Jésus, il y a des chômeurs. Il y a des chômeurs. Moi, cette année, par la grâce de Dieu, je serai à Montréal pour une évangélisation. Mais ça m'intéresse parce que l'Afrique m'intéresse. Amen. Moi, je suis beaucoup attaché à l'Afrique. C'est si tu veux ou pas, un jour, les blancs vont te rappeler tes origines. Amen. Mais nous avons poussé l'Afrique. L'Afrique est un scandale géologique. Mon seul problème, c'est la sorcellerie. Et Dieu ne peut nous protéger encore. Le problème de l'Église, c'est que l'Église commet moins là-dessus. On ne parle pas trop de Dieu. On ne parle pas du ciel. Faites comme ça. Et demain, on change de stratégie. Ils ont commencé à parler des offrandes. Dieu va te protéger. Parce que tes offrandes, les sorcellerie peuvent te manger. Ouais, peut te manger. C'est une question de comprendre certaines choses des mystères. Amen. Vous dites, il y a un Dieu pour nous autres, les pauvres. Amen. Nous n'avons pas de pouvoir. Il y a un Dieu de justice qui peut encore nous protéger. Dieu peut encore te protéger et peut te délivrer des forces occultes. Amen. Alléluia. Donc, un travail en train de se faire. Moi, ma prière chaque jour que je demande Dieu, c'est de permettre aux hommes de Dieu de comprendre qu'il faut que nous attaquons chaque région. Moi, je suis dans le Dibois. Mais je ne banalise pas un homme de Dieu qu'à Agibo. Je ne parle pas mal d'un homme de Dieu. Dans mes messages, je n'ai jamais parlé mal d'un pasteur ici à Agibo. Chacun a son domaine. Mais il faudrait que nous comprenions qu'il faudrait évangéliser, aller dans nos villages. Et les gens ont besoin de ça. Ils ont plus besoin de Dieu. Voilà, ils ont plus besoin de Dieu. Il faudrait qu'un suivi soit fait à nouveau pour qu'ils puissent expérimenter la puissance de Jésus. Je ne suis pas à Agibo pour me faire voir. Non, je n'ai pas besoin de me faire voir à Agibo. Non, je ne suis pas venu pour marchander un ministère. Je suis là pour amener les âmes à Jésus-Christ. Et Jésus dit qu'il n'est pas venu pour les justes, mais pour les pécheurs. C'est pour ça que j'avais beaucoup de compassion, que je coupe même le sorcier. Parce que je me dis que même, il est même petit. On dit, mais le prophète, tu exagères, parce que le sorcier, on dit qu'il a, j'ai entendu qu'il a mangé. Il n'a pas mangé 2 personnes, il dit 10 personnes, et lui, il mérite de mourir. Mais écoutez, c'est une tontine, c'est une société secrète. Il va dans un machin où il doit toujours donner quelqu'un en retour, mais il a besoin d'être délivré. Vous comprenez? Même s'il a tué, il a besoin. Il a besoin d'être délivré du pouvoir de la sorcellerie. Amen. Ouais, amen. Tu peux même être quelqu'un, comme tu vois, quand tu reçois les billes de 10 000, tu peux être ton sorcier. Depuis ensemble, depuis les reçois les billes seulement, c'est ton sorcier qui est là. Mais c'est caractérisé par la jalousie haineuse. Ouais, la jalousie, on peut être jaloux, comme Dieu est jaloux. Je suis jaloux que je protège ma femme. Parce que les femmes n'ont pas glissé. Vous glissez vite. On vous blague un peu. Avant. On vous prend vite. J'ai m'en dit, non. On vous aime bien, on vous protège. Non, mon mari est jaloux, mais parce que mais c'est comme Dieu. Vous mentir, vous aimez mensonge. Le gars, il ne vaut rien. Mais comme il sait mentir, sorcier, il te blague, il te prend. Il n'a rien. Et c'est lui qui prend l'argent de ton mari et c'est lui qui va entretenir. Sorcier. Pour que Dieu te délivre. On est jaloux. On dit, ah non, mon mari est jaloux. Mais pourquoi je n'ai pas jaloux? J'ai ma chose, je dis jaloux, je protège. C'est protéger la chose. Ce n'est pas une jalousie comme les sorciers. On cherche à détruire. Non, on protège. Non, il nous contrôle trop. Ça dépend de ce qu'il a vu dans ton portable. Si tu as vu ton portable, je t'aime. Bonjour, j'étais bisous, c'est 5 bisous. Il va se savoir. Amen. Ou bien tu prends ton portable, tu es dans le secret, tu souris. Il va prendre ton portable pour voir qu'est-ce qu'il y a dans le portable. J'ai envie de poser à ton mari, tu prends le portable. Mais c'est pas parce qu'on est jaloux, qu'on est sorcier. Non, c'est une jalousie haineuse. On a des choses dans le cœur, on veut détruire. Il y a des gens qui viennent vers toi, ils vont vous souvenir comment ce chat te détruit. Et ton ennemi ne sera pas loin, c'est celui qui te maîtrise qui sera ton ennemi. C'est vrai qu'il faut ouvrir les yeux. On ne peut pas partager tous tes projets à certaines personnes. Et c'est le combat que nous menons d'ailleurs. Chacun a sa spécialité. Je suis en train de tourner un clip, pas parce que je suis en train de m'amuser, mais c'est pour faire partir mon message. Je veux communiquer. Je veux amener très loin mon message. Parce que dès qu'on parle de sorcellerie, on dit oh! On dit c'est un chanteur. Tout le monde écoute,
Maintenant, chantons là. J'envoie mon message de sorcier. Mais vous avez doucement, doucement, doucement. Et puis ton mec écoute, le plus intéressant. Voilà. C'est pour ça que j'ai ce don là. C'est mon don. Voilà, je compose. Je donne certains artistes de chanter parce que Dieu sied dans la louange. Mais pour dire le prophète, moi je ne fais que ça. Il y a des gens qui sont là, qui veulent détruire le prophète. Je suis content, venez me détruire. Vous êtes fort, vous êtes plus que Dieu. On verra. Sinon, je vous envoie. C'est moi qui vais signer le visa de la Bretagne. La Bible dit que la vie et la mort sont au bout de mes lèvres. C'est pour dire que là où vous êtes arrivé, vous êtes là. Dieu est Dieu, le Dieu de justice. Il vous donnera demain raison sur vos ennemis. C'est ce qu'il dit aux gens. Qu'est-ce que tu as fait pour que Dieu se lève? Dieu n'est pas malade pour se lever un jour de son trône pour dire ah, viens. Non. Il dit tu invoque-moi, je te répondrai. Pour que Dieu te réponde, pas que tu l'invoques. Pour que Dieu te réponde, pas que tu fasses quelque chose. Pour que l'ange se révèle à Jacob. Il a parlé que Jacob crée une rencontre avec Dieu. La prière. C'est ainsi que l'ange est descendu. Et pendant toute la nuit, il a lutté avec l'ange. Qu'est-ce que tu as fait pour que Dieu te délivre? Ce n'est pas une question de crasso. Crasso ne vient pas de délivrer de quoi que ce soit. C'est Jésus. Qui croit la puissance de Jésus? Amen. Où est les fatigués? Demandez à ceux qui m'ont vu au cours de la journée. J'ai eu 1h30 de sommeil. J'ai eu 1h30 de sommeil. Parce que je sais que mes jours de sommeil. Off, c'est lundi et mardi. Dieu est pour le travail. Voilà, donc je travaille. Ce lundi, je vais travailler encore parce qu'il y a tellement de gens qu'on aura l'occasion. Vous dites que tout à l'heure, je vais stopper. On aura l'occasion de prier. Mais je vais prendre le temps de communiquer beaucoup, d'échanger avec certaines personnes. Parce que mon service de communication me font déjà qu'il y a tellement de personnes, des rencontres. On va commencer maintenant ce soir. Mais vous dites, nous sommes à une œuvre d'évangélisation. Là où tu es, si tu n'as pas Jésus, et qui pense que le prophète Crasso peut te protéger, tu as menti. Non, tu as menti. Je t'annonce maintenant que celui qui protège, c'est Jésus, le chef d'évangélisation. Si tu me rencontres dans la rue, je vais seulement te dire, Seigneur, tu es bon. Mais là, je te dis, Jésus peut te protéger. Amen. Je lâche le mot, je dis, Jésus peut te protéger. C'est ce qui est sûr, c'est que c'est lui. Ah non, je suis d'une autre confession religieuse. Je ne te parle pas de la religion. Je te parle de ce que moi j'ai expérimenté personnellement. Je disais comme ça à des personnes qui m'ont rendu visite tout à l'heure, qui venaient de l'Europe me rencontrer dans mon bureau. J'ai dit, tant que Dieu ne se révèle pas à vous, il sera difficile, même si on prie pour vous. C'est vrai que vous regardez les choses sur le YouTube, ça ne veut rien dire. J'ai dit aux gens, nous sommes sur les réseaux sociaux pour communiquer. C'est un outil de communication. Si Jésus était de notre part, il allait trouver le Facebook, il allait trouver le YouTube pour parler. Pourquoi? Parce que nous, déjà sur le YouTube, c'est pour permettre aux gens. On ne fait pas du malin, mais c'est pour communiquer. Vous voyez tout, même le gouvernement, tout ça, c'est sur le net. On ne peut pas se séparer aujourd'hui du net. C'est un outil de communication. Mais la réalité, c'est de vous amener à connaître Dieu. Tu as ce problème parce que tu n'as pas Dieu dans ta vie. C'est ça le problème, je dis aux gens. Vous avez tourné peut-être un moment de votre vie dos à Dieu. C'est pour ça que le diable a eu accès à vos vies. Oui, c'est une manière de vous chercher, de connaître Jésus. C'est tout. D'expérimenter Jésus. Et moi, j'ai connu le diable. Je sais comment j'ai servi le diable. Mon papa m'a conseillé, il faut qu'on adore les fétiches et qu'on parte chez les marabouts. Ça n'a pas marché puisque lui-même l'a tué. Jusqu'à ce que Jésus-Christ se révèle à moi et que j'expérimente sa bonté et sa puissance. Il peut te guérir si tu veux. Amen. Amen. Tout dépend de toi. Amen. Amen. C'est une question de condition. Si tu veux, il fera des grandes choses pour toi. Amen. Vous venez, vous pouvez penser que le prophète va prier pour vous? Non. Et puis, mets-toi, continuer de chercher comme des camarades. Lâcher qui fait mal à se chercher comme des camarades de guerre. Ça fait pas mal. Répondez-moi, ça fait pas mal. Et puis, toi, sorcière, tu dis non, viens. Comme des guerres. Vous voyez les garçons, c'est les voyous souvent, ils vous trompent. Mais n'aime pas qu'on touche sa femme. Vous ne parlez pas. Et toi, tu trompes ton mari, puis tu viens, chérie, et puis le soir, tu es attaqué dans ton sommeil, et tu penses que non, les sorciers t'attaquent. J'encourage les sorciers à t'attaquer. Ils n'ont qu'à te manger avec sauce prala, avec la calée.
Ils n'ont qu'à de manger sauce plat. Et plaquer. Ça va vite. On ne peut pas deux jours à ça. On dit l'ange de l'Éternel quand autour de tous ceux qui les craignent et les arrachent du fallait pas. Chacun a un rendez-vous. Allez, qu'on finit. Alléluia. Tu te trompes de porte, tu es ailleurs. Vous brisez cette onction, que si vous voulez, l'onction de la protection. Dieu, pour te bénir, il n'y a pas pour te bénir, il n'y a pas qu'il t'image dans sa parole, selon sa parole. Dieu ne bénit pas n'importe qui. Il ne bénit pas n'importe qui. Amen. Amen. Il faut chercher à donner ta vie à Jésus. Ce soir, ce samedi, c'est une œuvre d'évangélisation. Donne ton cœur, ce cœur que tu as. Dieu a tellement besoin de ça. Il a besoin de ton cœur, Jésus. Pour moi, ça te paraisse bizarre ou pas, je m'en fiche, Jésus est Dieu. Que tu ne comprennes pas ça ou pas, pour moi, Jésus est Dieu. Il m'a toujours fait du bien, je continue avec lui, ça marche. Si ça ne marchait pas, il y a longtemps, j'ai changé. Je n'aime pas marcher avec quelqu'un, Dieu qui ne fait rien. Amen. Amen. Jésus est Dieu. Et tu as besoin de ce Jésus. Tu n'as pas Jésus, la fête là, ils vont te manger avec quelle bien. Il y a quelle bien rouge, il y a quelle bien vert, il y a blanc. Pas couleur. Ils sont prêts à te manger pour fêter Noël et janvier. Il faut Jésus. La vie dit qu'avec Dieu, nous ferons des espoirs. Mais vous n'avez pas Dieu, vous êtes surpris que les sorciers vous attaquent. Et ils mangent quoi? Toi, tu ne manges pas. Tu te lèves matin, tu cherches un gabadron, manger un chéquier, un poisson thon. Toi, tu es poisson thon. Mais une vie qui ne vit que de ça. Comment tu mets sur la terre ici et puis banaliser ton Dieu? Tu me dis, c'est Dieu, tu nous, c'est ton fils. Non, ça te dit rien. Et les gens, ça leur dit rien. D'aller même à l'église, ils s'en fichent. Aller prier, ça leur dit rien. J'ai dit le jour où je me suis converti, j'ai dit Seigneur, merci parce que tu as créé ça aussi. Ça va vous étonner. S'il n'y avait pas sorcier, il n'y avait pas même plus à l'église. Deux fois à l'église. C'est quand on commence à m'attaquer. Je n'avais pas dit que j'aime les sorciers. Amen. Amen. Donne ta vie à Jésus. Tu as quelqu'un, donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Amen. Amen. Moi, sorcier ne me dit plus rien. J'ai dit, moi, je suis quelqu'un, je n'ai pas su les choses bêtement. J'ai des preuves. Je ne suis pas à Dibo, j'ai fait la plupart des régions de la Côte d'Ivoire. Je suis allé même à Zéro Corée, en Guinée. J'ai vécu beaucoup de pays, la Côte de l'Afrique. Même à Zéro Corée, où le plus grand danseur de Zogo, de l'agent de Zogo, qu'on appelle Zéro Corée, qui m'a lancé des abeilles, qui s'est retourné contre lui, qui s'est amené beaucoup de personnes à la conversion dans la salle. Voilà. Donc Jésus est puissant. Jésus est puissant pour te délivrer. Le mal dont tu souffres là, c'est un petit problème. Ici, vous êtes un ministère où on réglons le problème de la sorcellerie. Je sais combien de fois je suis attaqué. J'attrape mon cœur et puis j'avance. Parce que mes parents ont été victimes de tout ça, cette méchanceté. Et j'ai dit pour moi, il faudrait que je paie le prix pour ne pas que d'autres personnes puissent vivre ça, subir ça. C'est pour ça que je suis là. Amen. Amen. Je suis prêt à t'aider jusqu'au bout. À moins que toi-même tu donnes véritablement ton cœur à Jésus. Amen. Et que je sois un moyen, un canal par lequel il puisse passer pour te délivrer. C'est ça. Il faut que ta vie soit à Jésus. Ce n'est pas du maraboutage. Il faut que ta vie soit totalement à Jésus. Qui aime Jésus? Ça dort. Où est ton voisin s'il dort? Ils disent quoi? Je lui dis les trucs bizarres. Comme quoi? Il me met dans la tête, transformation, serpent, les trucs bizarres, les conneries, les trucs des sorciers. Viens avec moi. Ils te disent quoi? Il veut convaincre mon esprit. Il ne veut pas, il veut me dire que c'est moi ici le sorcier. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi, c'est les trucs bizarres. Et toi, tu dis quoi? Moi, je dis non, puis après, parfois, si j'ai peur, un truc bizarre. Il veut paniquer mon esprit. Mon cerveau veut paniquer. C'est Jésus et Satan qui est fort. C'est Jésus. Satan peut venir me parler.
Jésus dit, Satan, lui, n'a rien à moi. Lui, il n'a rien à moi. Qui Satan ne parle pas ici? Elle est comme qui marche juste quand il a dit, tu vois, moi, le père, il connaît tes yeux, là, je dis, moi, je suis toi. Oui. Ok, il dit, tu vois, non, elle est petite, il va là, il va dire oui. Ton fils, il dit non. Qui Satan ne parle pas ici? Pourquoi c'est toi là, tu as raison? Ah, Jésus dit, Satan vient à rien à moi. Toi, tu as venu me parler. Pourquoi? Si tu es mec, c'est qu'il a quelque chose en moi, la partie. Je vais enlever ça. Et c'est la dernière fois. Touche ton cœur. Prenez le micro. Il se manifeste quoi, comme serpent. Il veut convaincre mon esprit. Et que tu es serpent. Oui. Tu vas quitter son cœur. Dans le nom de Jésus. Jésus a vaincu ton pouvoir. Tu m'attends? Tu as encore une présence en lui. Tu vas le lâcher. Parce que Jésus sera désormais le maire de cette vie. Quitte son cœur. Lâche-le. Lâche-le. Tu vas le libérer au nom de Jésus. Rampe comme le serpent. Rampe. Allez. Quitte sa vie. Couche-toi sur ton dos. Nous couvrons tout avec la puissance du Saint-Esprit. Les démons sont en train de partir, je suis en train de partir des esprits. Je sens qu'il est déformé. Non. Il est localisé au niveau de son cou. Lâchez-moi. C'est son cou. Laissez son cou. Son cou. Oui, son cou. Oui. Son cou, oui. Oui. Son cou. Libérez son cou. Oui. Son cou. Laissez son cou. Laissez son cou. Laissez son cou. Libérez-le. Libérez-le. Au nom de Jésus.
au nom de Jésus. Lâchez son cou. Lâchez son cou. Lâchez-le. Comment? Allez. Lâchez-le. Va. Va. Au nom de Jésus. Libère-le maintenant. La puissance de Jésus qui est éloigné. Tu as reparti dans son ventre. Quitte son ventre. Quitte son ventre. Quitte son ventre. Oui, voilà. Quitte son ventre. Quitte son ventre. Quitte son ventre. Oui, quitte. Quitte son ventre. Oui, il y a les délivrances des gens qui peuvent prendre une semaine. Dieu, ça peut prendre une semaine. C'est pour ça qu'en matière de délivrance, il faut être beaucoup patient. Il faut être très, très patient. Il peut être en train de délivrer quelqu'un. Pendant que l'esprit sort, l'esprit peut l'attendre quelque part. Il peut aller aux toilettes, ou même quelque part, il amuse. Par ça rentre. Parce que déjà, ce qui est en lui n'est pas une présence de Dieu. Il y a des choses qui appartiennent à certains qui sont en lui. Parce que c'est comme une porte d'ouverture. Il est attaché à cette chose. Vous allez beau chasser l'esprit, vous allez parler à nos démons. Mais dès que vous donnez d'eau, cet esprit rentre. Parce qu'il sent que cette personne a sa propriété. Voilà, parce qu'il y a, des choses comme cette personne qui appartient à Dieu. Moi, je suis obligé de demander à quelqu'un, je dis, je sens que tu te masturbes. Il dit oui. Et il a accroché la masturbation. Le jour où il a confessé ça, il a été délivré de son démon. Je me masturbe aussi. Je me masturbe. Vous comprenez? Vous comprenez, non? Donc, un gars comme ça, tu vas faire sa délivrance. Hein? Dès qu'il te donne d'eau. Non, le diable, parce que le péché, c'est quoi? C'est la désobéissance à Dieu. Quand Dieu dit fait quelque chose, tu fais. Vous venez, c'est pourquoi on prie pour vous. Mais vous n'êtes pas prêt à marcher avec Dieu. Et ça, c'est votre problème, ça. Parce que vous savez, moi, ça ne m'intéresse pas. Pour moi, quand je vous réalise, me freiner, comme c'est une prière, alors on va prier. Vous n'êtes pas prêt à marcher avec Dieu, c'est difficile. C'est difficile. Ce n'est pas du fétichisme, on va où la fille dans les rivières, là où des Canaries, tout ça. Est-ce que vous êtes prêt à marcher avec Dieu? La seule condition pour que Dieu te protège, c'est pas que tu marches selon sa parole. Il faut décider. D'autres, y compris pour eux, ne sont pas prêts à marcher avec Dieu. Tu veux parler? Oui, le micro. Je veux marcher avec Jésus durant toute ma vie et qu'il me conduise tout partout j'irai. Oui, mais qu'est-ce que tu fais qui ne plaît pas à Jésus dans ta vie? Peut-être lorsque quand je priais à la maison, qu'est-ce que tu fais? Peut-être c'est pas ça. C'est parce qu'il a accusé quelqu'un de sorcier. T'es couché, t'as dit, mais je me m'assure. Je suis en évangélisation, mais je suis en train d'évangéliser. Et ça, c'est important. C'est tellement important. Tu parlais d'évangélisation, tu disais que tu m'assurais. Oui. C'est tout ça normal. Non. La masturbation, c'est comme la sorcellerie. Tu fais une image dans la tête. Et puis tu en sais comme si tu avais fait l'amour avec quelqu'un, tu t'éjacules. C'est une forme de sorcellerie. Moi, je ne connaissais pas ça avant. Non. Je n'ai pas dit que tu connaissais ça avant. Ok? C'est toi qui as parlé ça tout à l'heure. Tu veux qu'on te délivre de ça? Oui. Ok. Jésus va te délivrer. Dis pas amen. Amen.
C'est là qu'il prouve qu'il a un diable, il y a un démon en lui. Parce que Amen, ça veut dire ainsi soit-il, que ça soit fait selon ce que tu es en train de dire. Donc quand il dit pas Amen, ça veut dire que ce qui est en lui n'est pas de Dieu. Quand je lui dis Dieu va faire, ça ne lui dérange même pas de dire Amen. Ça veut dire qu'il est possédé. Il y a un démon en lui. Il va lâcher ton sexe. L'esprit va lâcher ton sexe. Il va lâcher tes pieds. Et la masturbation, ce n'est pas les hommes seulement, les femmes sont dedans. Il y en a plein ici qui sont dedans. C'est des démons qui sont derrière ça. Pas lâcher. Le feu consume tes yeux dans ces corps et tu les libères maintenant même dans le nom de Jésus. Lâche-le. Lâche-le. Tu vas le libérer au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. J'invoque le feu de Dieu sur toi. Et pendant que tu es couché, le feu commence à consumer les dieux, le diable, la présence du diable dans ce corps. Et lâche-le. 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 Tu m'as entendu, hein? Quitte ce corps. Lâche-le. Le feu est sur toi. Le feu consume tes yeux. Lâche-le. Je le veux, s'il te plaît. La puissance de Jésus te délivre. Elle te délivre. Lâchez-le. Lâchez-le. C'est sa délivrance. Ça fait une semaine maintenant, c'est ça? Le diable est très dangereux. Qui es-tu? Si vous voyez un démon en train de parler, c'est qu'il est prêt à partir. S'il ne parle pas, il sera difficile de chanter.